Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur MK Découverte pour cette vidéo, pour cette toute nouvelle vidéo d'aujourd'hui, dans laquelle je vais vous présenter des petites solutions qui vont vous permettre justement de régler les problèmes de données mobiles activées, mais pas d'Internet. Comme vous le voyez là, les données mobiles sont activées sur mon téléphone, mais je n'arrive pas à accéder à Internet. Même si j'essaie de me rendre par exemple sur YouTube là. Donc j'essaie de me connecter sur YouTube, mais je n'arrive pas à accéder sur Internet. Donc il n'y a rien qui s'affiche là, il n'y a même pas de vidéo, il n'y a rien. Si vous avez ces problèmes sur votre téléphone, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour avoir justement les solutions par rapport à ça. Alors pour cette première solution, je vais me rendre sur les paramètres pour faire un petit réglage. Une fois sur paramètres, je vais aller sur bon, ça dépend du téléphone hein. Vous devez comprendre que ça dépend du téléphone, mais la procédure est la même, vous voyez, la procédure est la même. Moi j'utilise un Techno. Ben même si vous utilisez un Samsung ou un autre téléphone Android, vous devez comprendre que la procédure et la logique est la même. Donc il y a juste quelques différences justement sur les options. On voit un peu. C'est un peu ça. Je vais aller sur système. Et je vais aller sur date et heure. Généralement, lorsque ce problème arrive, c'est souvent aussi parce que la date et l'heure sur notre téléphone n'est pas bonne. Si on n'a pas la bonne date et une bonne heure, l'Internet ne passera pas. Pour remédier à ça, il faut régler ça. Je vais aller sur date et heure. Et là, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Pour aller vite, je peux juste aller sur utiliser le temps fourni par les réseaux. Donc, lorsque j'appuie là-bas, on va me donner l'heure et la date du réseau que j'utilise en fait. Vous voyez un peu. Comme ça, c'est automatique. Alors, je vais essayer à nouveau de me connecter sur YouTube pour voir si ça marche. Je vais aller sur YouTube. Comme vous le constatez, maintenant ça marche parfaitement bien. Donc vous comprenez que les problèmes étaient sur la date et l'heure. Donc c'est un peu ça. Si avec cette astuce, je crois que cette astuce marchera bien. Mais si avec cette astuce vous avez toujours du mal, donc ça peut arriver que même si la date et l'heure sur votre téléphone est bonne, mais vous avez toujours du mal à accéder à Internet. Sur ce que vous devez faire en fait, c'est quoi? C'est des. Vous allez désactiver les données mobiles. Donc, vous venez ici, vous désactivez. Et quand vous terminez de désactiver les données mobiles, vous allez activer les modes avion. Donc, vous activez les modes avion même pendant 15 secondes. Et après cela, vous allez désactiver les modes avion et activer les données mobiles. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ce sont vraiment des solutions très efficaces qui vont vous aider par rapport à ça. C'est un peu ça. Alors, une fois que les 15 secondes sont écoulées, vous allez venir ici, vous désactivez les modes avion et vous allez réactiver à nouveau les données mobiles. Donc là, je vais attendre que les réseaux s'activent et je vais appuyer sur données mobiles pour activer. C'est un peu ça. Donc, ce sont là des solutions très efficaces qui vont vous aider pour régler ces problèmes sur votre téléphone Android. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker. Très important pour l'algorithme. Et si vous avez aussi des questions ou des préoccupations, je vous invite à les laisser dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao.